charbon, moi. Oui, le charbon. Oui, le charbon. Salut les petits choux, voici un démarrage sur les chapeaux de roue. Non, c'est en fait un point chapeau plutôt. Est-ce le bon chapeau avec la bonne tenue? Chapeau hors notre chapeau, telle est la question. Oui, vous êtes bien sur le tournage du dernier clip de Mighty Killa en personne avec Strike Adi aux Invalides en plein cœur de la capitale. Vous aviez trouvé? Ah bah chapeau. Ah c'est bon ça. Voici le making of du dernier clip de Mighty Killa et Strike Adi en événement exclusif pour vous sur Clip Music. Bénédiction, il y a la pluie, donc c'est bon. C'est bon. C'est bien. Ouais. Tu vois? Mighty Killa, toujours très attentif à ne rien laisser au hasard, visionne systématiquement après chaque prise le rendu de ce qui vient d'être filmé. Non, justement, la Wakadou, faut pas ouvrir un FDO. Tu bouges pas trop non plus, tu mets tes mains pour voir. Un peu de main, mais c'est sur tout ton visage et tu fais pas trop de mouvement parce que là c'est sacré. Le plus dur dans le métier d'artiste, c'est d'être interrompu en pleine séance de travail par des filles. Des brésiliennes en plus. Ah oui. Enfin, toujours très pro le Mighty, hein, toujours très pro, il laisse son Facebook pour agrandir la communauté de ses fans. Mighty, like English, Mighty, M-I-G-H-T-Y, Killa, K-I-L-A. Mighty, le Y se prononce Y en anglais. Bon là c'est Mighty Killa et puis Strike Adi, on ne vous présente pas. Donc là on est sur le clip, c'est quoi on hésite encore? La machine, on hésite encore sur le titre, tu vois. Donc là c'est une exclue pour Clip Music TV. Donc on est avec Leroy qui contourne le clip, c'est le petit studio. On a passé la journée à faire des petits plans, tu peux montrer. Là on est où là? Aux Invalides. Donc le sujet du son c'est, vas-y explique ça rapidement. Ça s'appelle La Machine à la Vélocité Rouge. C'est l'histoire de pointer du doigt le monde, la société dans laquelle on vit, où on essaie de tout uniformiser. Ouais. Ça dure 3 minutes 30 et c'est une façon de développer ça. Ça parle un peu des grands mensonges de l'histoire, tu vois, ce qu'on nous a dit alors qu'en fait on nous a menti quoi. Donc là tu as le général de Gaulle, mais genre remasterisé. Là tu as un soldat de la garde de Montpassat qui ça. On fait avec quoi. Là on est à la moitié du clip, on tourne aujourd'hui, samedi, demain dimanche, il y a des figurants, des danseuses, des trucs comme ça. L'ambiance quoi, tu connais. C'est lobotomisation, lobotomie, la machine à laver le cerveau, boom bang, ça sort bientôt. Et puis normalement c'est sur un projet qui s'appelle Elite, c'est une mixtape avec des featuring. On commence avec Strike Adi. Vous l'avez compris, le titre ressemblera donc à lobotomisation ou machine à laver le cerveau. Enfin voilà, cadeau exclu rien que pour vous. Bon, quant au costume du général de Gaulle, comment dire? Heureusement qu'il nous a précisé, hein, Mighty Killa, que c'était le costume remasterisé, hein, n'est-ce pas Mighty? Comme pour ajouter à ce tournage des anachronismes historiques, une calèche poussée par un cheval blanc, sûrement celui d'Henri IV d'ailleurs, avance nonchalamment, l'air de rien, pour peut-être espérer figurer dans le clip de Mighty Killa et Strike Adi.
Bon, au moins en selfie. On aura la photo, hein, Strike a dit. Ouais, sur la même ligne, c'est pas terrible. Mais tu vois, Mighty, qu'il a toujours aussi perfectionniste et pointilleux, ne laissera là encore rien lui échapper. Non, faut mettre ses pompes parce que ça loue. Ah, ok, ok, c'est il faut absolument un devant, un derrière. Bon, on a hâte de voir ça. Vivement le clip de Mighty Killa et Strike AD sur Clip Music. Franchement, faut pas hésiter à regarder tout ça. Salut mes petits choux, à bientôt pour un événement exclusif encore plus fort.